Surtout genre de la joie, parce qu'on a envie de faire cet instrument et puis on le réussit. Et donc c'est surtout de la joie que j'ai eu. C'était ma première fois du coup. Et quand j'ai d'abord fait un petit cadeau, et j'étais contente d'avoir fait ce son-là, parce que du coup, c'était la toute première fois pour moi, c'était tout nouveau et tout, et j'étais quand même assez fière d'avoir réussi à faire un son. Bah, moi, depuis que mon premier son, je l'ai fait hyper content, parce que j'en croyais déjà professionnelle. Et j'étais contente. Bah, moi, en fait, la première fois que j'ai joué, j'avais tellement envie de jouer avec mon bateau parce que ça faisait longtemps que je voulais. Et du coup, dès que j'avais mon bateau, à chaque fois, je voulais continuer à jouer. Genre, je voulais toujours un peu plus jouer parce que c'était super cool. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des moments où tout mon corps me soit pris dans une musique, dans mon orchestre. Ça m'est arrivé. Et on ne sait pas, on va réfléchir, on va compter les notes, etc. Forcément, il y a un moment où on revient sur terre. Et je me souviens, ce morceau, c'était il y a 3 ans, donc c'était The Witch and the Sun, pour ceux qui connaissent. Et il y avait un moment, le refrain, c'était juste des noirs, des blanches qui étaient posées d'un coup, mais tout l'orchestre qui jouait en même temps. Et à chaque fois qu'on jouait ce moment, en plus il y avait un crescendo qui arrivait dessus, à chaque fois qu'on faisait ce mouvement, ça faisait un truc, et quand on arrivait, on était là, mais waouh! Là, pour le coup, on intègre vraiment une danse dans les morceaux.
C'est droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Enfin, plein de petits mots, là, on faire des cours aussi. On s'amuse, c'est sort de génial. Je trouve que c'est plus agréable et moins fatigant d'être assis. Moi, je trouve aussi que c'est moins fatigant d'être assis, mais quand on est debout, genre, on se tient plus droit, je pense. Du coup, c'est un peu mieux pour la position, pour le dos. Après, moi, c'est vrai que quand on reste longtemps debout, on est bien facile. Mais après, quand on est debout, on a plus de liberté avec son corps et on peut plus être vraiment dans la musique. Quand je joue, je suis avec l'instrument et aussi avec mon corps. C'est jamais trop. Enfin, c'est un peu difficile à définir, mais c'est un peu sur la musique en fonction de la musique qu'on a. Et c'est un peu naturel. En fait, quand on est assis, en tout cas, moi, je bats le rythme avec mon pied. Un petit peu genre on va commencer les trucs genre pour respirer tous ensemble et quand on est debout enfin, je me balance et tout horrible. Je ne dirais pas que je dors. Je dirais juste que je bouge en rythme. Moi j'aime bien debout parce que je trouve qu'on est mieux dedans. Et puis ouais c'est plus agréable. En tout cas quoi qu'il arrive, enfin quand on vous bouge aussi, il y a du monde. Il n'y a pas assis en escalier comme vous pouvez, mais du coup, on fait la fête. Pour moi, jouer du violon, c'est danser, mais avec le son, parce que c'est un moment de liberté, un peu comme les danseurs, ils nous diraient que danser, c'est la liberté. Bah, pour moi, violoniste, jouer, c'est danser, c'est être libre, exprimer des sentiments. C'est danser sur une musique, pas forcément danser sur des pointes, avec tutu et tout, c'est danser mais dans un autre art. Moi je reste immobile, c'est quand on dit de bouger, je bouge.
elle a abordé l'instrument en me disant que ça risquait de faire mal au bras, tout ça, au début. Et Alexis, mon prof de violoncelle, il était en cours collectif, et j'ai mis le violoncelle entre mes jambes, et il m'a dit vous pouvez faire des grimaces avec vos mains, tout ça, donc tout le monde a joué le jeu. Mais moi, je trouve qu'au départ, je voulais faire de la contrebasse, donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé flûte et violon, et après, on m'a dit c'est le violoncelle comme faut faire de la contrebasse, parce que j'ai commencé à 6 ans, donc j'avais clairement de doigts pas assez grands pour faire de la contrebasse. Donc déjà, ça fait partie. Donc l'écartement, la grandeur de la main, ça fait partie un peu des critères parce que, contrairement au violon, il faut un peu plus écarter les doigts, tout ça. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas commencer trop tôt. Et après, ça fait mal si on ne détend pas assez, par exemple, si on est trop crispé au niveau du gauche droit, des choses comme ça à déclencher, les mouvements, ça peut faire un peu mal. C'est vrai que le temps prend le bout des doigts avant d'appuyer sur les plantes. Violon. Il y a un certain moment, plus on progresse, plus on va rentrer dans les aigus. Et dans les aigus, en fait, il n'y a plus de place sur les manches du violon. Donc on va encore basculer dans une autre position et s'appuyer complètement contre la boîte du violon. Donc la partie est vraiment en bois, où ça résonne. Plus on joue, ça va commencer à faire sérieusement mal à la main. Vraiment. Ça peut entraîner des crampes. Ou si on est très tendu quand on joue, on peut avoir une tendinite. Une tendinite, il faut vraiment faire attention. Et quand on sent que ça va plus, il faut s'arrêter. Parce que... Après, on peut voir. Thank you.
encore donc Heidi. Christian et Nils à la technique.